De l'argent public et privé pour maintenir South African Airways à flot. Le ministre des Entreprises publiques a indiqué dans un communiqué que la compagnie bénéficie d'un plan de sauvetage dès ce jeudi. Pravin Gordhan a ajouté que la mesure devrait coûter quelque 272 millions de dollars, une enveloppe supportée à la fois par l'État et des organismes prêteurs. Cette aide financière doit permettre de faciliter une restructuration radicale de la compagnie qui sera conduite par un administrateur indépendant selon le ministre. South African Airways a du mal à redresser la barre de ses déficits ces dernières années. Depuis 2011, la compagnie, jadis l'une des fiertés du ciel africain, ne fait plus de bénéfices. L'objectif du plan de sauvetage annoncé par le ministre Pravin Gordhan est d'éviter un effondrement désordonné et de tenter de conserver le plus d'emplois possible, a-t-il ajouté alors que la South African Airways compte quelque 5200 salariés. L'entreprise, lourdement endettée, a été incapable de payer tous les salaires du mois de novembre dernier. La compagnie aérienne publique sud-africaine a d'ailleurs annoncé jeudi la publication rapide de nouveaux horaires.